Et l'autre, c'est que je vous ai montré, là, il traçait là. Voilà, un carré. Ça marche à côté, ouais. Il faisait une fente jusqu'à la deuxième couche, après il mettait dans le trou de la mine, tout autour. Il mettait une mèche, ils allumaient la mèche et ça explosait. Si ça n'explosait pas, ils poilaient avec une jambe de cuir, crantée, et ensuite il touchait le dénoteur, ça explosait, c'est le couper le bras. C'était pour descendre la pierre. Oui, alors lorsqu'ils avaient décollé la dalle avec des criques à crémaillère, il déplaçait la dalle, il faisait venir un chantier avec un fardier. Lorsqu'ils échangent la dalle sur le fardier, et avec des roues larges, à bois bien sûr, à freine, et lorsqu'ils arrivaient dans les contours, d'après ce que mon aïeul lui dit à mon père, il y avait plusieurs chevaux, et il y en avait un qui était dans des bras. Il n'y avait pas de frein. C'était une longue barre derrière avec une corde. Ouais. Et mon aïeul, peut-être un de ses frères aussi, pareil. Il tenait la corde, oui. Lorsqu'il tournait là. Oui, parce qu'il y a des grands virages, ils sont très grands, ils sont très larges. Oui, tourner. Très bien fait. Tourner, ouais. Lorsque le premier cheval qui était dans les bras, il est passé le virage, le cocher, il avait un grand coup de fouet, les chevaux partaient à galop, l'aïeul, il lâchait la barre. Et tourner deux coups. Le cheval qui était dans les bras, parce qu'il était à 35 ans, il partait à l'abattoir.